On a l'exception culturelle. Favoriser la production nationale et se contenter en importation que ce que nous produisons pas. C'est juste une simple logique. Et donc, une mobilisation nationale, oui. Et si aucune réponse satisfaisante n'est obtenue de la part de notre gouvernement, et surtout, si le Mercosur passe, alors on sait que c'est tout l'échelon national qui va être mobilisé parce que ça veut dire la fin de notre agriculture. Je suis très pessimiste parce qu'une fois de plus, ce nouveau traité de libre-échange qui menace une nouvelle déversion finalement de produits agricoles sur le marché français en dépit de tout respect de réciprocité, est un nouveau clou finalement dans le cercueil de l'agriculture française. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui à côté de ces agriculteurs qui sont évidemment très inquiets de cette nouvelle perspective. Prenons l'exemple de la viande bovine. Ils savent produire de la viande bovine à des prix qui sont moitié les nôtres parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes sanitaires, ils n'ont pas les mêmes normes environnementales. Et donc cette viande qui va arriver à très bas coût chez nous, elle va complètement déforcer le marché de la viande, pour prendre cet exemple, dans nos régions. Et donc nos producteurs, ils vont simplement devoir mettre la clé sous la porte parce qu'on ne sera pas concurrencé cette viande-là. Nous, on demande qu'il n'y ait pas d'accord du tout, parce qu'au-delà du volet agricole, il y a aussi ce volet environnemental qui est complètement absurde. Pourquoi, alors qu'on produit déjà du miel, du sucre, de la viande chez nous, pourquoi le faire venir en bateau de l'autre bout du monde? Donc clairement, on n'a pas besoin de ces accords-là. Écoutez, quand la ministre dit que l'accord du Mercosur ne sera pas signé, soit elle est naïve, soit elle croit que nous sommes justement, nous, naïfs. Et je ne sais pas en quoi on devrait la croire, puisque face à elle, il y a de nombreux États déjà qui se sont prononcés en faveur de ces accords. Quand on voit la vitesse à laquelle ça s'accélère, et ça s'est accéléré, et que finalement le danger il est imminent, et de vouloir nous rassurer ?